vous allez bien? Écoutez, moi c'est Abtonical, comme d'habitude aujourd'hui les amis, on se retrouve toujours accompagné de Madame Oxyla. Eh bien, salut les amis, c'est Oxy. Pour du scrap mécanique. Exactement. Exactement, tout à fait, comment vas-tu? Bah très bien et toi? Ah ouais, très bien, écoute, la forme, la pêche, tout ce que tu veux. Enfin, en tout cas, voilà, 5 fruits et légumes par jour. Par jour. Et... Merci encore les amis, comme d'habitude, pour le tonnerre de pouces bleus et justement aussi de commentaires, car vous étiez très nombreux à nous demander dernièrement. Alors, on sait que vous adorez les cache-cache et tout, donc on vous en remercie d'avance. Mais vous étiez nombreux à nous dire que ça vous manquait, les petits duels, je dirais même les deux petites constructions où on ne fait pas forcément la même chose avec Oxy. N'est-ce pas, monsieur Oxy? Tu as pris mon siège. Oui, il est génial ce siège. Tu me l'as pas loué, hein. Ah, je te l'ai pas. Faut que je paye un impôt dessus. Oui, oui, non, parce que c'est vrai que Oxylac, à chaque fois, il monte des véhicules de malade mental. Et là, je suis content qu'ils me disent, il est génial ton siège. Bah, tu pourras le mettre dans tes top 10. Alors, les amis, aujourd'hui, vous l'avez peut-être vu dans le titre, mais nous allons utiliser des dinosaures pour faire une baston de dinosaures. Voilà, un duel. Ouais. Parce que je sais pas si ça se dit vraiment baston dino. Alors, je vous ai concocté, tu vois, un paquet de bons petits dinosaures. Vous allez voir, ça va envoyer de la pâté. Alors, je vais tous vous les montrer, bien sûr, les noms des créateurs. Mais on va utiliser un dino spécifique. Alors, ça ressemble au Rex, T-Rex. Mais j'ai l'impression que c'est un raptor, mais je suis pas très sûr. Bon, par contre, on va se mettre sur du plat. Qu'est-ce que t'en dis, Oxy? Ouais, c'est mieux. Alors, attendez, on va se mettre là. Ça va être parfait. Alors, on va vous montrer déjà d'une en premier lieu le dino qu'on va utiliser, à savoir que ce sont des dinos T-Workshop. C'est marqué en haut à gauche en même temps. Alors, donc, nous, on va utiliser le T-Rex qui se nomme T-Rex Arc. Voilà, ah, je pouvais pas te demander mieux. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, il a été créé par Calvin. Et voilà à quoi il ressemble. Et bah, il est tout simplement génialissime parce qu'il est très stable. Il est très stable, il est trop stylé même. Ah, tu vas pas, j'allais dire, il va pas se casser la tronche quand même. J'allais dire qu'il est stable, tu sais. Mais c'est vrai qu'il a un petit peu un. Il a un air de raptor un petit peu au niveau de sa taille. Regardez à sa manière d'avancer. C'est trop comment il s'est. Énorme. Ouais, voilà. En plus, on peut aller à gauche comme à droite, ça fonctionne. Et surtout, la manière d'avancer avec ses papates. On n'est pas sur des roues là. On a le premier bouton qui permet de. J'ai l'impression de se stabiliser un peu. Ouais, de lever un peu, de baisser un peu le corps. Le deuxième. Je crois que c'est pour les pattes. Ouais, bah y'a rien qui se passe, bon bah écoute. Le troisième, ça sert à rien, voilà, mais bon, enfin. Dans tous les cas, bon, j'ai pas voulu checker parce que j'avais remarqué déjà que ça ne servait pas à grand chose. C'est surtout le déplacement qui est génial ici, mais du coup, pour le duel, ça va être extraordinaire, voilà. Donc ça, c'était le premier. Je vais l'enlever à chaque fois pour éviter les lags parce que vous savez que maintenant on a énormément de véhicules et on vous montrera quelque chose qui m'a bien fait rigoler, que j'ai montré aussi Oxylac tout à l'heure, en haut de cette montagne que je montre du doigt mais que vous ne voyez pas, où en gros on a laissé un petit peu un dépotoir. Voilà. Ici, on s'en rend pas compte parce qu'on est sur du plat. On a l'impression que c'est un petit peu rangé, mais c'est un vrai dépotoir, hein, je peux vous l'assurer. Hein. On vous montrera ça quand on sera tout là-haut, ne vous inquiétez pas, on ira sur le ring, comme d'habitude. Ensuite, un petit dino assez sympathique qui m'a fait rire, que Oxy n'a pas encore vu, qui est le Dino Walker, créé par Gate on Jarrow. Donc c'était celui-ci. Wow, oh voilà, oui, il est un peu massif, hein, je te l'avais dit, hein, qu'il était massif. Voilà, donc ça lagouille un peu parce qu'il est assez gros, voilà. Alors attends, je... Qu'est-ce qu'il y a sa tête, ça? Oui, je sais. Ah, voilà, mais je le montre vite fait. Hein. Oui, c'est vrai. Bon, c'est censé être un kilo, je crois. Non, non, peut-être pas un kilo, non. Non, non, ça c'est ego. C'est un stego. Voilà, donc vite fait, bien fait. Je vous l'ai montré surtout en 3D. Vous pouvez le voir là. Bon, c'est pas le meilleur, mais je vous le montre quand même. Voilà, au cas où vous êtes fan, tous les autres dinos est surtout très gros. On avait le Rex, qui était génial. Lui par contre il était génialissime, n'est-ce pas, monsieur Oxylac? Ouais, celui-là il est vraiment excellent. Ouais, celui-là il est excellent, j'aurais peut-être pas dû le mettre dans ce sens-là. Plutôt... Ouais, comme ça c'est bien en fait. Ah voilà, comme ça, dans ce sens-là. Alors lui il est génialissime, alors c'est vrai qu'effectivement, il avance avec des roulettes, mais ses pattes fonctionnent bien et il a une mâchoire, enfin de ouf, franchement il est génialissime. Il est super beau, je trouve qu'il est ouais, super bien. Vraiment fait. Il est super beau, regardez, je vais monter là-haut, tac, en même temps c'est difficile de monter en bas. Oh. Je préfère faire la blague avant que quelqu'un d'autre se mette à la face, n'est-ce pas, monsieur Oxylac? Voilà, et oh, voilà, je suis tombé. Tu vois, j'étais tellement vite que j'étais perturbé par cette blague horrible que je viens de faire. Mais il est quand même très très stylé. Hop, on va se mettre en mode. Et voilà, c'est bon, je l'ai. Donc on voit bien, je vais m'éloigner au maximum, voilà, pour voir un petit peu la gueule de ce T-Rex. Et on peut avancer avec, hein. Regardez, ça fonctionne, hein. On peut avancer avec, ses pattes sont incroyablement bien faites. On peut également ouvrir la bouche et on peut surtout faire un truc de fou si on peut le faire gueuler, tu vois. Voilà, bon, j'avoue quand même que ça... que ça ressemble pas 100% à un cri de Rex, d'accord. Mais bon, voilà, hein, c'est très sympa, on peut hocher la tête, enfin on peut bouger la queue aussi, regardez, c'est... Voilà, si vous bougez la queue, vous vous cassez la tronche.
Parce que je crois en fait qu'il a tapé dans le lift à l'arrière. Je crois qu'à mon avis. J'ai voulu te faire une couille. Ah, c'est toi qui l'as fait. Regarde. What the fuck is that? Mais qu'est-ce que t'as fait? T'en as mis deux? Non, j'ai enlevé le truc en vert en dessous. Oh, l'enflure! Ah, c'est pour ça! Oh, bah supprime-moi ça alors! Je voulais voir s'il était stable ou pas. Ouais, non, il est pas tout à fait stable. J'espère que t'es content de toi, maintenant il est cassé. Voilà, il a été créé par Combat Greyhound et il s'appelle T-Rex. Voilà. Ensuite, on a un duo Transformer, mais je passerai parce qu'il ressemble beaucoup à un crocodile, mais il est sympa. Je préfère le dire quand même. On a le Pavljul PL, c'est le créateur, hein, c'est pas le nom du dino, qui a créé le T-Rex, encore une fois de plus. Qu'on va placer, je ne sais pas, il était tellement grand, c'est vrai qu'il fallait le placer comme ça. Voilà, alors lui il est magnifique aussi, regardez ça quoi, regardez la manière comment il se tient. Ah mais oui, si, oui, si, tu l'as vu, je te l'ai montré. Avec ouais. les petits bras là. Énorme, et on peut y accéder aussi également, il est génial ici. Enfin, il faut que je vous le montre quand même ces trucs là. Au cas où vous m'avez dit, furieux, t'as oublié des dinos. Non, on n'a pas oublié des dinos. On peut monter au-dessus pour se balader un peu, et surtout, on peut l'admirer. Regardez-moi ça, comment il est beau, et on peut appuyer sur le petit bouton. Voilà, et il avance tout seul. Voilà. Il est vraiment super beau. Alors, au niveau de la longueur du museau, on se rapproche plus d'un Spino, mais ça reste quand même un Rex. Voilà, c'est un beau Rex qui est vraiment splendide. J'aime beaucoup, franchement, le travail est vraiment excellent. C'est pour ça que j'aime bien donner le nom des créateurs aussi, parce que voilà, c'est important. Et il ne reste que quelques petits dinos, ne vous inquiétez pas, la baston arrive. Attends, c'est carrément le coup de voir ça, quoi. C'était génial. On avait celui-ci qui était très sympa aussi, ce petit T-Rex. N'hésitez pas à faire pause si vous n'avez pas vu le nom du créateur, parce que j'ai pas fait gaffe. Voilà, donc Rex aussi très sympa qu'on peut contrôler. Voilà, et je crois que. Attends, c'était pas avec lui que je faisais le. L'idiot, c'était avec l'autre, je crois. Attends, j'essaie. Oui, voilà, c'était avec lui. Avec lui, donc ce Rex-là qui est. Ah oui. Ah, attends, je vais le remettre sur le lift. Je vais enlever, je le dilate pour vous montrer quand même à qui il appartient. Voilà, le Teeny the Rex créé par Al Gab. Voilà, et lui il était énorme, je me marrais tout seul avec Oxy, laisse tomber quoi. C'était un truc de... Ah ouais, bah regarde, ah. Il est tellement énorme, il en a tellement dans la caboche qu'il s'est pété la tronche, tu sais. Je vais essayer de monter, regarde, sur la queue direct. Hop. Pour voir si c'est... Oui, voilà, c'était au-dessus, je suis pas trompé, hop. Je peux, hop, bien sûr, avancer avec ce Rex, voilà. Non, mais m'embête pas. Je t'embête pas. Voilà. On peut bouger, on peut ouvrir la bouche, etc. Enfin la mâchoire, et c'est vraiment super. Et on peut bouger la queue. Regardez. Ouais. Oh yeah. Just il est vraiment classé celui-là. Oh, si. Oh. Voilà. Et puis c'est tout. Voilà, donc c'est déjà pas mal. Ma foi, c'est déjà pas mal. Bon, et ben nous on va revenir, pas à nos moutons, mais à nos dinosaures. Voilà. on va revenir à nos dinosaures et on va justement prendre... qu'est-ce qu'on prendrait comme véhicule? Ah, je vais prendre la bécane. Pour monter? Ouais. Moi je sais ce que je vais prendre. Oh, oh. Ah oui. Attends, je mets un siège. Où tu veux que je t'en spawn un? Non, non, c'est bon. Vas-y. Allez, vas-y. Tu fais attention, hein. Et active pas les essuie-glaces, hein. Alors ça, franchement, c'est Oxy qui m'a montré ça. C'est le best véhicule ever. Regardez-moi cette maniabilité. Alors ça n'a rien à voir avec les dinos, mais c'est vrai qu'on dirait une mouche. C'est ce que je disais. On dirait une mouche. Comme on est deux dessus, ça fait... Ça me fait bugger de ouf, je sais pas où on est actuellement. Ouais, bah là tu t'en vas bien loin. Tu veux pas que je pilote? Ouais. Vas-y, tu vas piloter parce que comme on est dessus, le truc bug à mort. Ah ouais, d'accord, ok, bah attends, je vais piloter. Oh, attends, ouvre la porte! Ouvre la porte! Attends, je suis. What the fuck? On a perdu le Soxilac! Regardez, il pète un plomb dans les champs de maïs! Ah voilà. Okay. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, pose-le. Comment on l'ouvre déjà? Voilà. Derrière, il y a un bouton. Oh, intéressant. Eh, c'est parti! Oh oui, j'allais mettre le toaster. Eh, c'est parti! Voilà, super. Oh là là, on aurait eu ça pour récupérer la maison volante, ça aurait été beaucoup mieux. Yo! Allez, oula, oula, oulala, oulala! C'est bon. Je gère, je descends. T'es de la voiture téléguidée. Et on arrive sur le ring! Voilà, c'est bon, on y est. Voilà, et là, on va pouvoir justement enlever les voitures. C'est un poneys. Hop, on va les décaler un petit peu sur le côté et on va pouvoir. Faire ce combat, chers amis, ça va être incroyable. Allez, vas-y. Celle-là. Ça, c'était la tienne, celle-là. Je m'en souviens. Je m'en souviens très bien de cette éponge rouge. Voilà. Tu te souviens de cette éponge rouge aussi? Attends, on va peut-être enlever quand même les plombs, parce que c'est vrai que... Ouais, vu la taille du dino. Ouais, non, c'est pas ces plombs-là que je parlais. Non, les, regarde, les dinos, ça va, tu rigoles. Eh, les robots, ils étaient grands aussi, hein. C'était grand, attends. Alors, je place les dinos... Ah, décidément, le mec, il place un poil envers, un poil endroit. Voilà, là c'est bon. Parfait. Voilà. Voilà. Et on va faire donc comme la fois dernière, on va le faire en plusieurs manches. Ok, lui il est un peu trop haut.
Ah là, oh là là, ok, c'est bon. Anti-jeu venant de la part du dinosaure de la team bleue. Non, c'est pas vrai. Un coup de boule a été distribué au dinosaure rouge. Voilà, c'est bon. Donc, voilà, regarde comment il se bascule. Dis-moi, je vais te défoncer. Ouais. Tu peux supprimer aussi ton petit véhicule? Ouais, je vais supprimer. Voilà, comme ça, ça. Parce que oui, alors attendez, je vais en profiter. Je vous avais dit que j'allais vous montrer un petit peu le Beans hein, qu'il y avait en bas. Alors, c'était là. Oui, c'était là que je me suis mis. Et c'était. Voilà. Voilà, regardez-moi ce Beans. Entre les deltaplanes en bas, entre les blocs qui sont là-bas, entre l'hélicoptère qui est là-bas, entre, je ne sais pas, des roues qui se baladent en dessous. Notre train, oui, qu'on n'a pas fini, je sais, mais enfin voilà, c'est un truc de malade. C'est vrai que notre map, alors ça commence à laguer, c'est normal, parce que je vous rappelle que notre map commence à être bien remplie, ouais. Hein, vraiment bien remplie, donc on va devoir supprimer des véhicules, on les gardera, vous inquiétez pas, dans la bibliothèque, ne vous inquiétez pas pour ça. Ok, religion. Ouais. Alors finalement, on a décidé ensemble avec Oxy de reprendre notre map, alors temporaire, hein, juste pour bien sûr faire cet affrontement, ouais, dans yeah. La forêt dense, comme des vrais dinosaures. Je trouve que ça sera beaucoup mieux qu'un ring. Et regardez, ça va envoyer du steak. Voilà, donc attention, donc c'est parti. Donc je vais sortir le dinosaure, attention. Yes. Ah voilà. Alors t'en veux un ou pas? Oui. Ok, alors attends, bah, je vais le décaler, je vais le mettre un peu plus par là. Pas trop loin non plus, ça sert absolument à rien. Mais genre là. Voilà, comme ça. Et moi le mien, je vais le mettre ici. Voilà, comme ça, parfait, bien sûr, il va être à l'endroit. Comme d'habitude. Toujours à l'envers, à savoir pourquoi. Et là, comme ça, mon cher ami, le but reste toujours de tomber. Est-ce que tu es prêt? Yes. C'est tellement marrant de te voir te déplacer. Là, d'un coup, t'as un vrai Skype. Bonjour, les gars, vous avez un problème? Non, monsieur. Bon, attention, à la une. Wow. J'ai vraiment cru que t'allais tomber. Moi aussi. À la deux. À la trois. Attention, le lag arrive. Yes. Gros câlin. Gros câlin, Oxyla, gros câlin. Il ne fera pas tomber. Décalage. Allez. Allez. Oh là 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 là. Tu tomberas avant moi. Tu tomberas avant moi. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh là là. T'es d'accord avec moi que t'es sur le point de tomber là? Allez. Je suis en mauvaise posture, je l'avoue. Oui, mais justement, t'es sur le point de tomber, mon pote. Mais je ne tomberai pas. Ah non, il va me faire tomber. Allez. Non. Retournement de situation. Non, pas de retournement de situation. Attention. Regarde comment je suis positionné. Oh, si je me mets comme ça, t'es mort. Allez. Allez, là, t'es mort. Allez, là, t'es mort. Allez. Mais c'est pas vrai. Mais il va tomber. Dieu, mon gars. Tu vas tomber. Oh, le lag. Je t'attaque directement, toi. Ok. J'attaque directement ton corps. Comment tu triches quoi, il veut me manger. Allez la tête. Yeah. Il va tomber. Non, c'est toi qui va tomber au bout d'un moment forcément. Non mais là c'est... Allez. Ah. C'est pas juste. Baisse la tête. Baisse la tête, voilà comme ça, regarde. Hop comme ça, ouais. Ah, attends. Oula, qu'est-ce que tu fais? Oula. Je prends. Allez, je sais pas ce qui s'est passé, je pourrais pas tout le dire. Oh. Ah non. Oh. Ah non. Ah non. Ah non, pas moi. Allez. Mais bordel, il va tomber. Oh, c'est trop cool, c'est pour reculer. De quoi? La touche A, c'est pour reculer. Ah. Intéressant. C'est bon à savoir ça. J'apprends des choses. Oui, parce qu'apparemment, il faut l'appuyer aussi sur la touche pour avancer, pour pouvoir... Bon, tu vas tomber. Mais c'est toi qui vas tomber quand même. En fait, les dinos, ils peuvent pas tomber. Voilà, vas-y, comme ça. Voilà. Technique de combat. Alors attends, tu veux pas tomber normalement? Je vais te prendre en marche arrière, tu vas voir. Tu connais pas la technique de l'ankylo, toi? J'arrive. Allez, viens. Je t'attends. Je vais te charger tellement, mec. Allez. Oh, le plaquage. Pas de croche-patte. La balayette. Allez. Oh, je vais tomber. Oui. Oh, je vais pas tomber. Ah si. Oh non. C'est pas possible. Je peux pas perdre là. Allez. Mais lui, un coup de queue. Oh, attends. Si je prends la tête directement, ça va être mieux. Si je prends la tête. Le coup de queue. Tu vas tomber. Le coup de queue. Il y en a un qui va tomber. Mais lui, la bifle. Ah non. Mais non, quoi. Attends, j'arrive. Tu vas voir. Je vais prendre un élan tellement sévère. Attends, tu sais quoi, vas-y. On le prend à l'arrière. Allez, à l'arrière. Tu sais quoi, on est des vrais dinos. On est frères, donc forcément, on pourra pas tomber aussi facilement.
pourras pas tourner aussi facilement que si. Est-ce que t'es prêt? Oh là là, tu... Oh, j'en profite! J'en profite! Non, je rigolais. J'en profite! Ah oh allez, bras de fer! Bras de queue! Bras de queue! Allez, queue tombe! Vas-y! Oh, je vais pas tomber quand même! Ah, ça, oh là c'est là. Pas oh, mal! Oh, oh, y a un truc! Oh, y a eu un blocage! Je vais tenter un truc! Allez! Oh là là! Allez! Non! Si! Non! Ouh, si! Restabilisation! Non! Oh là stabilise là rien du tout! C'est un Digimon! Mais non! Ça va se finir! Ça va se finir quand un seul combat, les amis! Parce qu'on n'est pas capable de tomber! Parce qu'on se bat vraiment! Je ne veux pas perdre cette bataille! C'est hors de question! J'adore trop les dinosaures aussi! Allez! Tu dois tomber! Oh! Non! Oh! Qu'est-ce qui se passe? Allez! Je suis en train de manger la poussière! Non! Oh là là! Oh là là! Oh non! Non! Tombe pas! Non! Tombé! Je te vois pas tomber encore, Oxy! Ah ouais, moi je me vois par terre! Oh non! Ah non! Je suis tombé aussi! Non, presque! Allez! Mais en fait, tu m'as coincé! Ah, tu m'as coincé! Okay, c'est bon, je vois où je suis! Ok, en fait, on n'est pas tombé, c'est bon! Non, on n'est pas encore tombé! Ah, ah, je vais tomber! Ah, vais tomber. En fait, on fait. Ah, mais oui, mais ça. Ah non, je vais tomber! Oui! Non! Oui non! Ah oh non, il m'a fait tomber, je crois. Je t'ai coincé la queue. Oh non, mais regarde-moi ça. Tu vas tomber avec moi, Mufasa. Tombe avec moi. Ah, c'est bon. Oh c'est non, bon. Regarde-moi ça. Bon, bah, je suis tombé. Je suis tombé. Ah, attends, je reprends le dino. Parce que ça lag, les gens. Ouais. Une puissance première. Voilà. Bien joué. Ma foi. Merci. Ma foi, ma foi. Alors, attends. Tu sais quoi? Vous savez quoi, les amis? On va essayer avec un autre dino. Ok, les amis! Alors, avec cette baston interminable, nous avons jugé que nous allons changer un peu de dinosaure, parce que sinon, ça va être une partie qui va durer 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure. Et du coup, je vote pour qu'on prenne le petit T-Rex, celui-ci. Ah, yes, ouais, celui-là, carrément. Ah, celui-là, il va être assez cool. Je te l'accorde, même si je pense que ça va plutôt bien lagouiller, tu vois, ce que je veux dire. Voilà, donc ça va être une baston encore en 2 FPS. Parce que bah, en même temps, voilà quoi. C'est un petit peu le problème de scraper Calic. Voilà, bon, très bien. Alors. Bon, maintenant qu'on a ce dino. Alors attends, je vais prendre mon left pour pouvoir grimper. Et là, tu vas voir, j'aurais pas besoin de 5 minutes pour te mettre à terre. Et encore, bon, c'est toi qui m'as mis à terre. D'accord, j'avoue, mais. Je t'ai dit. C'était le lag. Ok, t'es prêt? Ok, déjà, ce serait pas se casser la tronche du départ, ça serait bien. Ah, attends. Donc, comme ça, en plus, vous le verrez celui-là, parce que c'est vrai, vous l'avez pas vu du coup. Hop, je vais l'éloigner à fond. Donc, la mâchoire qu'on peut faire tout simplement bien fonctionner et la porte qu'on voilà. peut fermer. Voilà. Alors, est-ce que tu es prêt, Oxy? Mâchoire. Ok. Ouais, je suis prêt. Allez, vas-y. Baston de vrai T-Rex, là, pour le coup. C'est pas des petits raptors, tu vois. Est-ce que t'es prêt? Yeah. Je vais ouvrir ma mâchoire et je vais te manger. Allez, c'est parti. Me voilà. J'arrive. Attaque, ouais, T-Rex. Ah, ok, tu sais, il se passe là à côté de l'autre, tu sais. Oh là là, on est avant pour le combat de 2 FPS. Oh, oh là là. On se touche pas. Oh, allez. Comment je te prends sous la nuque. Oh, moi aussi, regarde, plaquage. Oh, on va se retourner tous les deux. Oh là là, technique de catch. Oh non, tu vas tomber tout seul, Oxy. Il n'y aura pas de tous les deux. Pas cette fois. Non, non, il est en train de se relever. Tu enlèves pas, Oxy. Tu enlèves pas, tu vas regretter, Oxy. Oh, ça va tellement. Oh my god. J'arrive pas à me soulever plus. Avec mes petites papates, j'arrive pas à me soulever plus. Ouais, je crois qu'on est bloqué, là. Vas-y, je vais reculer. Non, t'as raison, recule. Tu vas tomber. Regardez-le, le forceur, là. Ouais, je lâche pas l'affaire, mon pote. On est comme ça chez les vrais carnivores. Nous, on a pas été à l'école des herbivores, tu vois. Tu vas tomber. Regarde ça, je te lâche pas. Viens, on fait une danse, une salsa. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est la danse des dinos. Danse avec les dinos. Allez, lâche ça. Lâche. Oui, c'est ça, vas-y, comme ça. Ça tourne un petit peu. Encore. Encore. Attends, je vais désactiver les bras. J'aurai plus de chances de te vaincre. Hey, il va pas me faire tomber quand même. Ah. Allez. Non, non, je lâche pas l'affaire. Ouais, regarde comme ça là. Regarde, tu vois, si on continue comme ça à 30 images tous les 30 secondes, on va y arriver. Allez, en vas-y. Vrai,
En vrai, ça lag tellement qu'on a même pas l'impression que ça lag. Ouais, voilà, c'est ça. On a l'impression que tu sais, t'es au code ou t'es en diapositive là. C'est les nouveaux jeux scrap mécaniques. C'est trop ça. Non, mais attends, on bouge là ou pas? J'en ai pas trop l'impression, on est juste en train de se pousser comme des cons. Ah ouais, attends, vas-y, bien, je recule. Viens, on recule tous les deux. Viens, on recule, hein, tous les deux. Vas-y, on recule. Et recule, éloigne-toi de là. C'est la trêve temporaire. Alors attends. C'est moi, on est tous les deux en train de tomber là. Tu vas tomber tout seul. Oh non. Je t'ai menti, Oxylac. Je t'ai menti. Je viens te chercher. Non. Relève-toi. Non, te relève pas. Te relève pas, Oxy. Ça va pas faciliter la tâche. Allez. Regarde ça, j'ai la patte sur tes yeux. Allez. Plaquage, oui. Oui. Il est à terre. Il est à terre. Si, il est à terre. T'as la tête par terre, Oxy. T'as la tête par terre. Attends, je te plaque entièrement. Je te plaque. Congratulations. Je te plaque. Ah là, non, attends, je vais descendre. Ouais, on est témoin. Il est à terre. Il est à terre. Il a mangé terre, la poussière. Aussi, je me vois à terre. Ah, attends, vas-y. On va essayer pour finir la vengeance. Parce que là, il y a un partout. Regarde, moi, je vais tomber avec toi. Ah non, en fait, on dirait que je vais te croquer. Regarde. Pour finir en beauté, mon cher Oxylac, tu sais ce qu'on va faire? Non, mais tu vas me dire. On va. Attends, déjà, on va essayer de se libérer de ce T-Rex. Ça serait vraiment bien. Cette image par seconde. Scrap mécanique, si vous nous entendez, chers développeurs, améliorer l'optimisation, tu sais, des trucs. Voilà. Ok, déjà d'une. Et tu peux enlever l'autre. Voilà. Oh, ça... vache, j'ai l'impression de vivre. Ah ouais, c'est tellement bien la réalité. Ça va tellement plus vite. Tu sors dehors, tu te dis oh my god. Tu vois. Et on va prendre donc un autre dino. Alors, ok, les gens. Donc, après cette égalité de l'enfer, nous allons terminer. Oxylac, est-ce que tu as deviné avec quel dino on va terminer? Le plus dangereux de tous les dinos. Le plus dangereux et le plus monstrueux de tous les véhicules. Le T-Rex. On vient de le faire. Attention, j'ai l'honneur de te présenter le Bronto. Tu t'attendais tellement à un truc énorme. À vous, c'est stylé, hein. Oh my god. Ah bah là, vous êtes sûr que vous allez avoir une baston en... Ah bah, j'ai cassé la roue. Une baston en 60 fps pour une fois. Alors, moi je dis pour le challenge, on monte de un cran le moteur. Ouais, on met à fond, même. Non, je rigole. Bah, à fond, il va se retourner direct. Oui. Ouais, attends. Bah, attends, je le dilate et je le remets. En tout cas, je trouve que c'est une bonne idée. Le petit Bronto là, tout mignon là. C'était une blague, hein, c'était pas le plus dangereux, au cas où vous croyez que j'étais sérieux. Ouais, par contre, pour reculer. Même pour avancer, non, je pense qu'il n'y a pas besoin de la monter. Là, je pense que franchement, Oxy, il n'y a pas besoin. Tu peux le baisser, hein. Tu vas le baisser ou tu comme tu veux. Non, moi, je laisse comme ça, il est pas mal. D'accord, ok, bah écoute. Toi, tu le laisses comme ça, pas moi. Pire, ça me fera une difficulté en plus. Voilà, c'est ça. Ok. Mais c'est pas une excuse. Alors, est-ce que tu es prêt? Regarde-moi cette tête. Attends, je me positionne. Quand il recule, c'est trop drôle. Ouais, c'est trop drôle, comme tu dis. Oh, attention. À la une, à la deux, à la trois. Let's go. On va se casser la tronche avant de se voir. Oh ah. Alors, le boom. Regarde le taunt. Le taunt. Je suis le roi des dinosaures, Oxy. Tu ne peux rien faire contre moi. Ah. Et ben, c'était rapide, hein. Allez, vas-y, relève-toi. Ouais, allez, on en fait une pour le fun. Ouais. Non, t'abuses là, par contre, je suis obligé de t'entendre. Parce qu'il peut pas tourner sur lui. Il est génial quand même. Ok, c'était la petite surprise, je vous en ai pas parlé de celui-là. Allez, c'est parti. Parce que je l'avais pas encore. Let's go. Coup de tête. Oh. Oh là. Oh là 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 là. Moi, je m'en fous, je t'ai tombé en premier. Et bah voilà. Et bah voilà, monsieur Oxylac. Alors, bah, deux victoires. Un pour moi. Et une victoire pour toi, je te félicite. Alors, franchement. C'était tout simplement vraiment méga fun, surtout avec les FPS. Je pense que t'en as pensé, toi. C'est au niveau des FPS. Au niveau des FPS, vous avez pu voir qu'effectivement il y a encore un peu de boulot sur le scrap, mais en tout cas, voilà, il fallait absolument qu'on fasse ce duel de dinosaures que je remporte. Ah, je suis tellement fier. Je suis tellement fier. Mes vrais dinos seraient tellement contents. En tout cas, les amis, on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que malgré les petites chutes de FPS, vous m'excuserez, ce n'est pas nos PC, mais scrap mécanique, ça vous aura plu. Si c'est le cas, nous vous invitons à faire péter la barre de pouces bleus. Et n'hésitez pas également à aller faire un petit tour sur la chaîne, ça ferait très, très, très plaisir. Et n'hésitez pas aussi également à s'abonner à sa chaîne comme à la mienne, d'ailleurs ça vous ferait très plaisir. Et aussi,
Les amis, si vous avez des défis comme celui-ci à nous proposer, n'hésitez pas. Sur ce, c'était FeuJump pour Yoxilac. Et on vous dit à très bientôt pour du Scrap Mécanique. Ciao, ciao, les amis. Salut, les amis.